Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur Science Reborn. En dessous de tous abonnés, cliquez là-dessus, abonnez-vous, activez la cloche et ne manquez pas nos prochaines vidéos. Mes frères et sœurs, abonnez-vous massivement. Nous voulons atteindre rapidement les 100 000 abonnés. Nous voulons devenir nombreux Science Reborn et nous comptons sur vous aujourd'hui pour atteindre cet objectif. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous nous intéressons à ce qui pousse les humains à s'attacher aux démons. Ça risque de vous faire peur. Ça risque de vous dépasser, de vous étonner. Mais mes frères et sœurs, n'ayez pas peur, ne soyez pas étonnés, ne soyez pas dépassés. Parce que tout ce que nous allons vous montrer ici existe bel et bien. En fait, les humains veulent tout simplement plaire à Satan afin d'obtenir la gloire de ce monde, les richesses de ce monde. Même ici, ils se disent que Satan est plus puissant que Dieu. Mais pourquoi les humains vont jusqu'à aller chez les occultistes pour avoir les richesses, pour faire des pactes, pour avoir des richesses, même des protections? Or, la protection par excellence vient de Dieu. Ce qui pousse les humains à se comporter ainsi, c'est aussi quelque chose que beaucoup de personnes ignorent, la marque du diable. Regardez. Quoi? Qu'est-ce que la marque du diable a-t-elle à voir avec cette histoire? Mes frères et sœurs, ce que vous ne savez pas, c'est que tous les humains sont marqués par la marque du diable. Parce que ils ont des comportements en eux qui reflète la gloire de Satan. Mes frères et sœurs, c'est pas de la blague. Science Reborn, dans les précédentes vidéos, nous avons découvert ce qui se passe à ce niveau. Un homme de Dieu nous a dit que le premier 6 représente ses caractères, le second représente ses autres caractères et le troisième représente six autres caractères qui font 18 caractères du diable. Donc 666 est égal aux 18 caractères du diable. Ce qui fait que les humains, ou encore tous les hommes, sont marqués par ceci inconsciemment parce qu'ils ont les caractères du diable sur eux. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, allez regarder la vidéo. Mais ici, nous allons faire un bref résumé. Parmi les caractères du diable, cet homme de Dieu a cité l'égoïsme. L'égoïsme. Les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. L'amour de l'argent. Vous voyez, il y a plein de péchés qui sont cités. En fait, ce sont des péchés. Ce sont des péchés des humains. Et toutes ces choses existent bel et bien. Et c'est tout sauf de la blague. Ce que vous allez voir par la suite risque de vous faire peur, mais n'ayez pas peur. Regardez ça. Quoi? Mais qui est-ce? On voit ici une femme. Et cette femme-là, elle est tout simplement dans une position bizarre. On a l'impression qu'elle se prépare à faire un rituel. Regardez, qu'est-ce qui nous pousse à dire ça? C'est ça. Elle a un pentacle, des triangles comme ça sur le cœur. Et ça, c'est un signe des satanistes qu'ils utilisent lors des rituels. Là, vous voyez déjà qu'il y a problème. Un rituel, si vous ne savez pas, un rituel, c'est une cérémonie dans laquelle il y a on appelle les démons, où il y a la présence d'un ou plusieurs démons. Et tous ces jeux que vous voyez derrière elle, ce sont tout simplement des expériences. Elle cherche à évoluer de plus en plus dans l'occultisme. Et regardez, elle regarde son art. Mais il y a quelque chose qui est caché ici que vous n'avez pas encore vu ici dans cette image. Ça risque même de vous faire peur et c'est ce qui va confirmer que c'est un rituel et que dans un rituel, il y a véritablement la présence d'un démon. Regardez, regardez dans cette image et dites-moi, qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez vu comme moi? Est-ce que vous avez vu comme nous? Regardez, il y a peut-être d'autres choses encore. Mais regardez, regardez ça. Regardez tout droit ici. Regardez là. Une, deux, trois, regardez là. Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que vous avez vu ça auparavant?
Il y a un chat. Ce chat qui est là. Oui, est-ce que c'est un chat ordinaire? Pourquoi était-il caché? C'est parce que c'est un démon. Et on a l'impression qu'il ressemble à un loup. On a l'impression qu'il ressemble à un loup. Qu'en pensez-vous? Bien sûr que oui. Observez vous-même. Regardez bien. Mes frères et sœurs, voici ce que les humains font. Ils cherchent à rentrer en contact avec les démons. Même avec sa beauté, regardez. Regardez. Regardez ça. Mais qui est-ce? C'est un homme qu'on vous et nous. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il fait? Bon, je dis c'est juste. Qu'est-ce qu'ils font? Parce que derrière lui, il y a une masse de personnes qui sont en train de se lamenter. Regardez le visage de cette femme qui se trouve là devant vous, mes frères et sœurs, c'est incroyable, c'est impossible, comment ça se fait? Regardez ça. Waouh! Et ce qui est étrange, c'est qu'il a une marque dans sa main. Et ça forme les deux cornes du diable. Regardez bien. Qu'est-ce que ça donne ici? 666. Quoi? Mes frères et sœurs, nous vous l'avons dit à l'introduction. Que les humains veulent être marqués par Satan, ils veulent ressembler à Satan. Les humains aiment les démons, les humains aiment le diable et son comportement. Et les humains sont déjà marqués sans le savoir. Regardez ça. Un 6, un deuxième, un troisième 6. Comme si on le savait. Mes frères et sœurs, Dieu veut nous réveiller. Et comment s'appelle-t-il? Il s'appelle tout simplement Antichrist. Regardez. Antichrist. Juste en bas de l'image. Antichrist. Waouh! Des humains sont en train de travailler dans le secret pour la venue de l'Antichrist. Regardez ses dents. Regardez ses yeux. Ses yeux, ses dents ne nous intéressent pas. Tout le monde peut avoir des dents comme ça. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est ça, la marque de la bête. 666 dans la paume. Est-ce que ça sera officiellement la marque de la bête dont la parole de Dieu nous a dit qui sera marquée sur les humains? Est-ce que cette marque-là sera-t-elle ainsi comme ça? Mais oui, on dit certaines personnes recevront cette marque sur le front et sur la main. Est-ce que c'est faux? Regardez. Aujourd'hui, Dieu nous ouvre les yeux, mes frères et sœurs. Dieu nous ouvre les yeux. La marque du diable est ici. Les humains continuent toujours leurs histoires et cherchent toujours à ressembler à Satan. Or, il y a quelque chose de grave qui se trouve derrière Satan, mais derrière cette histoire, derrière ce comportement. À la fin de cette vidéo, vous en saurez plus. Regardez. Qu'est-ce que vous voyez ici? Waouh! Ici, on peut voir que cette femme est en train de représenter l'image de quelqu'un qui est capturé ou encore en prison, qui n'a pas la possibilité de parler parce que sa bouche est toute cousue. Et laissez-moi vous dire que de telles choses, on les voit uniquement que dans les prisons de l'enfer. Et c'est dans les prisons de l'enfer ou dans les prisons de Satan qu'on découvre réellement de telles choses, c'est tout sauf un jeu, c'est tout sauf de la blague. Ce que nous sommes en train de vous montrer ici, pour moi, c'est étonnant. Les humains veulent ressembler au diable, au démon. Or, c'est un chemin qui mène à un endroit que nous allons vous montrer à la fin de cette vidéo. Restez jusqu'à la fin. Si vous êtes déjà étonné, même dépassé, même si vous avez peur, n'ayez pas peur. Laissez juste un j'aime, abonnez-vous et aidez-nous à avoir les 100 000 abonnés. Franchement, ça va être chaud. Let's go. What? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est humain? Est-ce que c'est humain? Je dirais non. Ça, c'est une sirène. Ce que les humains ne savent pas, c'est qu'une sirène, c'est un démon. Et ce démon-là, parfois, quand elle est en colère, ses cheveux se transforment en ça, en des serpents, exactement comme ça. Oh, mes frères et sœurs. C'est pourquoi on doit faire attention aux faux cheveux.
aux mèches. Pourquoi on dit que les humains veulent ressembler aux démons, au diable et toutes ces choses? C'est parce que regardez, si vous mettez des faux cheveux sur votre tête, par exemple, et que ces faux cheveux-là ont été fabriqués par ces démons qui sont là, vous pensez que ces faux cheveux-là, spirituellement parlant, seront des vrais cheveux ou encore des cheveux naturels? Non, ça sera des serpents que vous aurez mis sur votre tête de cette façon-là. De la même façon, oui, mes frères et sœurs, regardez vous-même. Regardez. Elle est dans cette histoire, elle se plaît. Quelqu'un dit, mais comment une femme peut être là? Et ça va peur. On vous a dit, c'est un démon. Regardez ses yeux. Est-ce qu'un homme naturel peut-il avoir des yeux à la verticale comme ça? C'est tout sauf une femme ordinaire. C'est un démon, mes frères et sœurs. C'est une sirène. Ah! Ah! Et ça, c'est une créature du monde des ténèbres. Et voici quelque chose encore sur l'image qui va vous permettre de découvrir qu'effectivement, cette femme, elle fait les choses que toutes les femmes de la terre font. Regardez bien sur cette image. Là, regardez et dites-nous, qu'est-ce qui se trouve sur cette femme qui ressemble fortement à ce que les humains ou encore les femmes de ce monde ont sur elle, sur leur visage en particulier? Regardez bien. Regardez bien encore. Mes frères et sœurs, ça risque de nous tromper, ça risque de vous tromper. Vous allez tous tomber, nous tomberons tous d'accord pour dire que ce sont ça. Ça, regardez là. Elle a des crayons à je ne sais pas, sur ses yeux comme ça. Elle met des crayons. Vous voyez la peinture qui se trouve sous ses yeux là. Est-ce que les femmes de la terre ne font-elles pas ça? Bien sûr que oui. Elles font comme ça. Et sur l'autre œil aussi, regardez, sous ses deux yeux. Oh, mes frères et sœurs, les humains veulent ressembler aux démons. Oh, les démons, c'est ça. Regardez ça. C'est pas tout. Allons de plus loin. What? Mais qu'est-ce que c'est? C'est ça. La nouvelle génération. Les nouveaux humains, ou encore c'est ce à quoi les humains veulent ressembler. Et voici ce que ça donne au final quand les humains se retrouvent à l'enfer, après avoir mis plein de peintures sur leur face, sur leur visage, ou encore des peintures ici, sur leurs yeux comme ça, comme ça. Voici ce que les démons font après. Les démons brisent les yeux des humains. Il brise, il découpe les lèvres et la bouche. Et ça donne ça. C'est ce qui se passe à l'enfer. Et ça, c'est qu'un petit aperçu de ce qui se passe réellement à l'enfer. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Regardez bien. Mes frères et sœurs, regardez bien cette créature. Ou cette femme. Est-ce qu'elle est de ce monde? Elle ne l'est plus. Sinon, on dirait que c'est un fantôme, un démon ou un monstre. Ici, on a affaire à quelqu'un qui se trouve à l'enfer. Déjà. Et c'est le résultat des tortures de l'enfer. Ce que les démons font aux femmes qui ont décidé de ressembler au diable, aux humains qui ont décidé de ressembler à Satan, Lucifer lui-même. Regardez bien. Et c'est pas tout, regardez encore. On voit ici une femme. Elle avec un dragon. C'est un dragon, n'est-ce pas? Si je me trompe, réagissez, dites-le moi. Et ce dragon a des cornes. Waouh! Et elle est à l'aise avec lui. Regardez, il a les trucs des serpents aussi. Ça veut dire que ce dragon qui est là est censé représenter le diable. Le serpent ancien. Celui-là même que nous ne devons pas aimer. Et de telles femmes existent bel et bien dans ce monde. Ce sont des femmes qui sont des sorcières, des satanistes ou encore qui ont livré leur esprit à Satan. Est-ce que vous voyez ce que ça donne au final?
Ce que ça donne au final, c'est ça. Les hommes, les humains, aiment le diable plus que Dieu. Or, ça mène à un endroit que nous allons vous montrer à la fin. Non, c'est plus loin. Et cet endroit où ça mènera les humains là-bas, où ça va mener les humains là-bas, c'est pas un lieu beau, c'est un lieu où on se tourmente. Et ça, ce sont les films d'horreur, c'est un film d'horreur. Ici, on a affaire à un personnage de film d'horreur. C'est une scène de film d'horreur aussi. Et on voit une femme qui a peur. Elle a plus peur que peur. On a l'impression qu'elle ne va plus vivre après avoir vu ce qu'elle a vu. Et on voit le sang sur elle. Mais frères et sœurs, si vous n'êtes pas informés, les démons aiment inspirer les humains à faire de tels films qu'on appelle les films d'horreur. De sorte que par la peur, tous les spectateurs ou encore tous ceux qui vont visionner ces films vont se retrouver face à des situations de peur qui vont favoriser l'entrée des démons. Tu finis de regarder un film et tu as peur. Si tu as peur, tu ne peux pas chasser un démon en cet instant-là. Et le diable viendra. Le diable va venir comme ça. Et ce jour-là, tu vas savoir que tu n'aurais dû pas avoir peur en regardant un film. Sinon, évitez ce film. Parce que ce sont les choses du monde des ténèbres. Le diable est en train de fabriquer de telles choses pour tourmenter les humains. Regardez. Est-ce qu'il y a la joie ici? Non. Dieu veut que les humains soient heureux. Dieu ne veut pas que les humains aient peur. Aient peur comme ça. Qui va bénéficier? Qui sera en joie? C'est le diable, Satan. Mes frères et sœurs, faites attention, nous sommes dans un monde compliqué. Et les humains veulent ressembler au diable. Regardez. Qui est-ce? C'est un personnage de dessin animé. Comment s'appelle-t-elle? Vous connaissez son nom? Waouh! Est-ce un homme? C'est un humain. Mais le problème avec cet humain qui est là, c'est que ses yeux spirituels sont ouverts. Et cet homme, ou encore cette femme, a le troisième œil placé sur son front comme ça. C'est ça, le troisième œil. Et c'est le troisième œil du diable. Le troisième œil de Lucifer, Satan lui-même. Regardez, avec cet œil qui se trouve là sur sa tête, carrément là au milieu de sa tête, cette personne qui se trouve là peut voir à des milliers de kilomètres. Et ces yeux qui sont là sont également des yeux spirituels qui lui permettent de voir à une certaine distance. Et là, c'est grave. Cet œil placé sur son front lui permet de faire quoi? Contrôler les humains. Même vous mettre des pensées, de même mettre des pensées à votre esprit, contrôler vos pensées. Et c'est réel, c'est tout sauf de la blague, mes frères et sœurs. Ces choses existent. Et on voit en général de telles choses dans les dessins animés, dans les films. Et les gens disent en général, ce n'est qu'un film. Ce n'est qu'un film. Quand tu regardes ça, le film d'horreur, ça t'a fait peur là. C'était qu'un film, mes frères et sœurs. Et ne s'attendent pas à ce que ce soit un film. Si un démon a inspiré un humain à faire une telle chose, c'est qu'il va avoir son bénéfice. Regardez. Où est-ce qu'on se retrouve ici? On se retrouve dans le monde des sirènes et des tritons. Parce qu'il y a un homme en forme de sirène. Un homme qui a la queue de poisson. Et ce qui est étrange, c'est que toutes ces créatures-là ressemblent aux humains de la terre, aux hommes réels. Regardez, là on se trouve dans le monde des eaux, dans le monde des sirènes. Et c'est un monde qui existe, mais en esprit.
Physiquement, si vous allez voir de l'eau. Mais en esprit, si vous allez avec le pouvoir d'un locutus ou d'une sirène elle-même, vous allez voir ce qui se trouve sous la mer, dans les océans. Il y a des réunions qui se tiennent là-bas, sous votre dos, et vous n'êtes pas informé de cela. Aujourd'hui, Dieu nous permet de découvrir ces choses. Regardez. Wow, regardez. Et ils vivent clairement. Et personne, et quand vous allez dire aux gens, aux humains, que les sirènes existent, ils vont vous dire que ce sont des films de science-fiction. Non, mes frères et sœurs, faites attention. Et quand les humains décident de ressembler à des sirènes, en portant des costumes de sirènes, qu'est-ce que ça donne? C'est pas bon du tout. Les humains collaborent avec des créatures du monde des ténèbres. Les humains aiment collaborer avec les démons ou encore avec le diable. Regardez cette femme-là. Est-ce qu'elle est humaine? Elle ressemble à un humain, à une femme humaine. Mais qu'est-ce qui va nous montrer que elle est tout sauf une humaine? Regardez bien, dites-moi mes frères et sœurs, c'est quoi? Ce sont ses oreilles comme ça. Regardez bien. Est-ce qu'un homme normal peut-il avoir de telles oreilles? Si ça existe, dites-le-moi. Mais cette créature qui se trouve là dans sa main, qui est-ce? C'est un dragon. Un dragon qui se trouve où? Dans le monde des eaux. Et elle a même ce dragon-là où? Sur là. C'est-à-dire, la marque de ce dragon se trouve où? Sur son bras. Elle s'est tatouée ce dragon-là sur son épaule. Est-ce que vous n'avez pas des tatouages sur vous? Mais vous, si vous ne savez pas, mes frères et sœurs, si vous n'êtes pas informés, des tatouages que vous représentez sur vous correspondent à ça. Chaque tatouage que vous avez sur vous, qui ressemble peut-être à un serpent, ou à un dragon, ou bien une fleur, correspond à une créature du monde des ténèbres, autrement dit, à un démon, ce qui veut dire que vous êtes en train de ressembler à ce démon. Regardez, et il y a un lien entre vous et ce démon qui est là. Mais vous ne savez pas. Regardez. Pourquoi c'est le même dragon qui est tatoué ici et encore qui est là dans sa main? Quelqu'un m'a dit, mais quelle coïncidence, c'est pas une coïncidence. C'est une image qui nous montre que Dieu a raison quand il nous dit de ne pas nous tatouer. Parce que celui qui passe son temps à se tatouer, il se rapproche du diable, autrement dit, des démons. Parce que les démons, en réalité, c'est ça. Regardez bien. Regardez bien. Oh, mes frères et sœurs, quel danger guettent les humains. Quel grand danger guettent les humains. Le savez-vous, mes frères et sœurs, vous l'avez dit à l'introduction, les humains veulent ressembler au diable. Sans le savoir, ils sont en train de se faire marquer par le chiffre 666. Est-ce que c'est faux? Regardez. Sur son bras. Malheureusement, c'est pas tout. Regardez encore ça. Une autre femme, un dragon. Et ce dragon-là, c'est son ami. Si vous la touchez, vous touchez ce dragon. Parce qu'elle a accepté ce dragon-là en elle. La preuve en est que elle a même ça, ce dragon-là ici, sur son bras. C'est un collier ou peut-être un bijou en forme de dragon. C'est la même chose. Si vous avez un bijou en forme de serpent ou un vêtement où il y a un dragon, c'est la même histoire. Vous serez en train de faire quoi? Adorer un démon ou encore l'invoquer auprès de vous, spirituellement parlant. Elle, si elle peut toucher ce dragon, c'est tout simplement parce que ses yeux spirituels sont ouverts. Donc, elle peut le voir. Mais vous ne pouvez pas les voir. Mais ils sont là, parmi nous, parmi vous. Et vous ne les voyez pas. Aujourd'hui, au travers de cette vidéo, vous les voyez. Pour que Dieu vous délivre, mes frères et sœurs, il faut forcément enlever de votre main, de votre bras, ce bracelet en forme de serpent ou encore de dragon pour être délivré. Et qu'on prie pour vous, que Dieu vous délivre. Que Dieu finalise la délivrance parce que ça, franchement, c'est horrible. C'est plus horrible qu'horrible. Y a-t-il un autre mot pour qualifier cette histoire, mes frères et sœurs?
Réagissez dans la partie commentaire, on vous attend. Ça ne fait que commencer, c'est pas tout, regardez encore. Waouh! Est-ce que c'est un personnage de dessin animé? C'est possible. Je préfère vous dire que c'est un personnage de film de science-fiction. C'est possible également. Mais il y a une chose qui est claire. C'est que cette femme qui est là n'est pas une femme ordinaire. C'est une sorcière. Une sataniste. Quelqu'un va dire un médium. Regardez. Qu'est-ce qui pousse là? Elle a l'œil, le troisième œil, bien ouvert sur son front. Elle s'en fout même. Elle ferme ses deux autres yeux. Ses yeux naturels. Elle ferme. Elle s'en fout. Elle peut marcher d'ici jusqu'aux États-Unis. Des États-Unis jusqu'à en France. Les yeux physiques fermés, parce que ses yeux spirituels sont déjà ouverts. De la même manière, elle voit physiquement avec ses yeux naturels. C'est comme ça qu'elle voit spirituellement, c'est-à-dire physiquement avec ses yeux spirituels. Et là, ça devient grave. Regardez là. Et ses yeux spirituels sont ouverts. Et elle est en pleine cérémonie, ou encore un rituel. Alors, vous avez dit, un rituel, c'est une cérémonie où il y a la présence des démons. C'est pas étonnant qu'il y a des bougies ou des choses qui représentent des bougies, comme les deux choses qui sont là, ici. Regardez, exactement, ce sont des bougies. Et regardez là, elle a quelque chose là. Qu'est-ce que c'est? Un crâne humain, si vous ne savez pas. Un crâne humain, c'est un vêtement, c'est pas un hasard. Un crâne humain est censé représenter quoi? L'ange de la mort. L'ange de la mort. Regardez vous-même. Regardez ici, qu'est-ce qu'elle a dans la main? Quelqu'un m'a dit que ça ressemble à un œuf. Mais c'est pas un œuf ordinaire. C'est de la magie qu'elle est en train de faire. Et pour faire cette magie ou encore ce rituel, il faut forcément qu'un démon soit là. Les humains aiment les démons. Regardez. Tout le monde aimerait avoir une telle créature chez lui. Oh, c'est un démon. Regardez ce que les humains font encore. Ils vont plus loin. Ça, c'est l'image de la miniature que vous avez sans doute vue. Elle a un démon et ce démon est petit comme ça. On peut dire que c'est un dragon. Un petit dragon. Comment vous allez l'appeler? Un dragonus? Bon, appelez-le comme vous voulez. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un démon. Et ce démon, il n'est pas là pour rigoler. Ce démon est censé représenter le diable. Elle est belle. Est-ce qu'elle n'est pas belle? Elle est plus belle que belle. Mais c'est une sorcière. C'est une sataniste. Si vous la mariez, vous mariez avec elle son démon. Et ce démon-là, si ce démon-là vous déteste, vous n'êtes pas voir un homme avec la fille. Tous ceux qui vont se mettre avec cette femme, ils seront tous tués par ce démon-là. Parce que ce démon-là refuse que cette femme se marie, par exemple. Et elle le sait. Elle peut même sortir avec des hommes pour permettre à ce démon de les sacrifier. Ou encore, elle peut sortir avec les hommes, rien que pour que ces derniers soient sacrifiés. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que la vie de débauche, c'est pas bon, c'est pas une bonne chose. Il faut sortir de là. Il faut sortir de là. Mes frères et sœurs, c'est tout ce de la blague. Regardez encore. Les humains veulent ressembler aux démons. Les humains veulent être des super-héros. Cette histoire des super-héros, des super-pouvoirs, mes frères et sœurs. Qui a des super-pouvoirs ici? Qui? Ce sont les sorciers qui ont des super-pouvoirs. Parce qu'ils peuvent voir à des milliers de kilomètres. Et ça, c'est une connaissance interdite. Dieu a interdit cela pour une bonne raison. Parce que ça vient du diable et ça mène à l'enfer. Ça crée quoi? L'autodestruction. C'est pourquoi Dieu n'a pas permis que tous les humains aient les yeux spirituels bien ouverts. Même s'il les donne à ceux qui sont ses vrais serviteurs, afin que ces derniers puissent voir Dieu et sa parole. La chose que nous devons voir, mes frères et sœurs, c'est la parole de Dieu avec nos yeux physiques, afin que notre âme soit nourrie. Regardez là. Ses yeux,
Y a-t-il des points noirs ou encore des iris dans ses yeux? Ça a disparu. Parce que là, les humains veulent ressembler au diable ou encore au démon dans toute sa leur plénitude. Regardez, des éclairs. Les éclairs ici sont censés représenter quoi? Quelqu'un va dire la colère de Dieu. Mais frères et sœurs, dès que vous voyez un œil comme ça, même sans iris à l'intérieur ou avec un iris à la verticale et vous voyez un éclair, sachez que ça représente qui? Lucifer, le diable. C'est ça la représentation. Les éclairs représentent Lucifer, Satan lui-même. Lucifer tombé d'où? Du ciel. C'est pourquoi il regarde où? Dans le ciel. Et il est tombé du ciel, animé de quoi? Une grande colère. Regardez, ça, ça représente la colère. C'est une image qui nous rappelle que Jésus est Seigneur et que Dieu a raison quand tu nous dis que le diable est animé d'une grande colère et il descend ici, il descend dans ce monde pour combattre tous les humains. Regardez encore. Qu'est-ce que c'est? Les humains veulent ressembler aux créatures du monde des ténèbres. Regardez encore. Les humains veulent ressembler au diable. Ça, c'est un homme naturel. Mais il a des cornes. Il a des crocs, des dents de vampire ou des dents d'animal, de lion. Et il est enragé. Quel est son problème? Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Ce qui ne va pas avec lui, c'est qu'il est possédé par ça, par ce démon-là. Il cherche à ressembler à ce démon qu'il a là. C'est ça tout son souci, pour augmenter son pouvoir occulte ou encore du satanisme. Il veut ressembler le maximum possible aux démons. Et il veut avoir beaucoup de démons en eux. Pour cela, ils sont obligés de commettre des crimes. Des crimes sur des crimes. Des sacrifices humains sur des sacrifices humains. Si vous leur demandez combien de personnes allez-vous sacrifier, ils vous diront, on ne sait pas de quoi tu parles. Ils vous diront, on ne sait pas de quoi tu parles. Regardez ce que ça donne ici. Un humain avec des cornes, ce que ça donne vraiment, c'est atroce et c'est féroce. Et ça, c'est une créature de quoi? Des films de science-fiction. Dans les films de science-fiction, on peut carrément les voir. Et les gens rigolent. Ils se disent que, ah, c'est de la blague. Ah, j'aimerais ressembler à cette créature. J'aimerais le ressembler. Or, ce qu'ont fait cette créature, ils ont regardé qui? Une autre créature, un démon du monde des ténèbres, pour représenter une telle créature. Regardez ce démon-là. Regardez. What a shock! What is this? Qu'est-ce que c'est? Mes frères et sœurs, c'est ça, un démon. Les humains cherchent à ressembler au diable. Sans le savoir, ils ont la marque 666 sur eux. Regardez le pantalon qui est là. C'est censé être la marque du diable. 666. Et regardez ici. Ici, à la naturelle, est-ce que vous voyez la marque du diable ici? Est-ce que vous voyez ça? Non, mais c'est invisible, c'est-à-dire c'est spirituel, c'est invisiblement, c'est là, sur son front déjà, mais c'est déjà caché, c'est invisible. Il ne sait pas, comme il a ressemblé au diable, comme la chicha a ressemblé au diable, cette marque de Satan est venue se positionner sur son front. Regardez, elle apprend la magie, elle est dans une chambre de magie. En plus, c'est une femme. Quelqu'un va dire, mais elle est belle, elle est plus belle que belle, mais elle ne serait pas vilaine. Vous pensez que le diable s'intéresse aux personnes qui ne sont pas bonnes, qui n'ont pas de la valeur? Vous vous trompez, non. Elle est un livre de magie. Excusez-moi. Si vous ne savez pas, mes frères et sœurs, la magie vient du diable. C'est comme la sorcellerie. Mais c'est plus que la magie, est plus que la sorcellerie. La magie, c'est une branche occulte. Et les magiciens ont des livres de magie où ils apprennent quoi faire pour faire des trucs mystiques. Et imaginez-vous, après avoir lu les trucs qui se lisent, lu ce qui, les paroles de ce livre ou encore les incantations, la main de cette femme s'est transformée en feu ou encore en lumière ou encore en éclair, tout ce que vous voulez, mais ce qui est sûr, c'est que ce livre est suspendu. Regardez, ça ne touche pas la terre, ça ne touche pas sa main.
Est-ce que je me trompe? Regardons bien, mes frères et sœurs. Nous sommes là pour apprendre. Et ce soir, aujourd'hui, Dieu veut nous révéler des choses extraordinaires. Soyez, abonnez-vous, mes frères et sœurs. Abonnez-vous massivement, partagez la vidéo. Nous voulons atteindre le plus rapidement possible les 100 000 abonnés. Regardez. C'est un livre de magie. La magie. It's magic. C'est de la magie. C'est magique. Et les gens disent toujours, oh, c'est de la magie, c'est de la magie. C'est comme vous dites que c'est de la sorcellerie, c'est mauvais, c'est mystique. Regardez. Qui est-ce? Quelqu'un m'a dit que c'est un clown. C'est un clown. Mes frères et sœurs, c'est aussi un démon. Regardez encore. Les démons, les hommes veulent ressembler au diable et ils ont des super pouvoirs déjà et c'est tout dans ce monde. Regardez cet homme. Il dort dans un cercueil. C'est un rituel qu'il est en train de faire pour tout simplement rentrer en contact avec un démon spécifique. C'est le démon de la mort ou l'ange de la mort. C'est un passage qui va le mener tout simplement où? Dans le royaume de Satan ou encore le royaume du diable, Lucifer. Mais va voir l'ange de la mort au passage. Regardez. Ici, on voit encore une très belle femme avec un dragon. Et ce dragon-là, c'est son ami. Regardez. Regardez comme elle est belle. Elle est plus belle que belle. Elle a même un œil bien fermé pour nous dire que cet œil représente l'œil de Lucifer. Ici, on voit encore une autre femme, comme dans la photo de miniature. Elle est ici, carrément, avec son dragon. Ce dragon qu'elle aime, qu'auprès d'elle, qu'elle adore, va la consommer un jour sans qu'elle s'en rende compte. Regardez. Les humains veulent ressembler aux démons, aux sirènes. Regardez. Oh, ce sont des créatures du monde des ténèbres. Et regardez sur les doigts de cette fille. Elle a quoi? Des vernis. Tous ces vernis viennent du monde des ténèbres. Sur ses lèvres également. Regardez. Heureusement qu'elle a des cheveux naturels. Si je me trompe, les femmes réagissaient. Tous ces bijoux qu'on met sur les oreilles. Est-ce que Dieu vous a créé avec de telles choses? Tous ces accessoires-là, sans le savoir, sont des accessoires du monde des ténèbres. Les femmes portent ça sans s'en rendre compte que là, ce sont des choses qui nous font penser au faux Dieu. Regardez, les humains vont plus loin pour chercher encore à ressembler aux démons. Ça, ce sont des sirènes. Elles cherchent à ressembler aux sirènes. Elles sont déguisées en sirènes. Elles sont dans l'eau. Sans savoir que ce faisant, elles invoquent inconsciemment l'esprit de ce démon ou encore ce démon-là à venir où? Auprès d'elles. Mais elles ne les voient pas. Elles ne les voient pas. Regardez. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est encore une autre histoire. C'est encore un autre truc. Qu'est-ce qu'elle a sur son visage, cette femme qui était ici, qui est ici, là devant nous, ici? Elle a un make-up. Elle a mis de la peinture sur son visage. Mais pourquoi est-ce que cette peinture-là est en train de tomber de son visage comme ça? Pourquoi cette peinture-là ne reste pas collée sur son visage? Mais pourquoi? Ça va finir par s'enlever parce que ça ne l'appartient pas, ça appartient plutôt à un démon. Et quand même, cette peinture-là sur elle, elle ressemble, ou encore elle était de ressembler à ce démon avec de tels yeux. Mes frères et sœurs, vous avez tout. Regardez, vous avez tout devant vous. C'est ça le vrai visage des make-up, de tout ce que les gens fabriquent, tout ce que les gens font. En fait, ce sont des choses qui nous amènent encore à aimer le diable, encore ressembler au démon. Et la marque du diable se trouve déjà sur son front. Regardez à gauche ici, regardez là. Est-ce qu'elle est vivante? Est-ce qu'elle est en vie? Ça m'étonnerait. Ce qui est sûr, c'est que ça, elle n'a pas la paix. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Regardez. Regardez les deux femmes. Enfin des gens. Pourquoi fais-tu ça? Même à l'église, il y a des femmes de Dieu qui font ça. Des femmes chrétiennes. Les hommes veulent rentrer en contact avec les démons. Elles se préparent à aller où? On a l'impression qu'elles se préparent à aller faire un rituel. Mais qu'est-ce qui nous amène à dire ça? Regardez son maquillage ici. On peut dire que peut-être ça peut être même. Tout simplement un tatouage. Et ce tatouage fait appel forcément à la présence d'un démon qu'elle représente au travers des tatouages. Chaque tatouage est équivalent à un démon bien spécifique, un démon de l'enfer, un démon qui est réel. Regardez,
Ses yeux sont là comme ça. Oh mon Dieu, sauve les humains. Regardez encore. C'est un personnage de film. Elle représente ici une personne qui est déjà morte. Parce qu'elle n'a pas l'iris, le noir de les yeux là. Ne sont pas là, dans ses yeux. Qu'est-ce que ça va donner? What is this? Qui sont-ils? Quelqu'un va dire que ce sont des extraterrestres parce qu'on voit le monde de toute la façon qui est ici. La Terre représentée. Les gens disent que la Terre est ronde. D'autres disent que la Terre est orange, est violet, est comme ceci. Ce qui est sûr, c'est que sur la Terre, il y a des humains et les humains cherchent à ressembler à de telles créatures que nous vous présentons ici. Or, ces créatures mènent à l'enfer. Mais vous allez voir ça à la fin de cette vidéo. Regardez ça. On voit quelque chose qui est sans yeux. Sans yeux, il n'a pas d'yeux. Est-ce qu'il a des dents? Il a plus de dents que des dents même qui sortent même au niveau de ses lèvres. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi a-t-il des épines sur la tête en forme de couronne? C'est tout simplement parce que cette créature qui est là est tout simplement, ou encore est censée représenter l'antéchrist. Regardez, l'antéchrist. Waouh! Mais à quoi as-tu pensé pour faire de telles créatures? Mes frères et sœurs, si vous n'êtes pas informés, il y a des démons qui existent sans tête. C'est-à-dire qu'il y a des démons qui sont là comme ça, qui sont sans tête. Mais ils voient et ils marchent. Et c'est ce qui arrivera sur la terre. Regardez encore. What? Qu'est-ce que c'est? C'est une femme qui a peur. On se trouve ici dans un film de science-fiction. Et pour faire vous dire, dans un film d'horreur. Et c'est qui se trouve sur sa tête? Ou encore, sur son visage ici, sur son front, c'est tout sauf le make-up. C'est le sang qui est versé, qui a jailli et qui est venu sur son front. Dans le film d'horreur, on ne fait que voir le sang. Le sang est que le sang. Le sang est le sang. Le sang matin, midi, soir. Mais vous pensez que le sang, à force de voir le sang, ça va vous donner quoi? Ça va vous initier au satanisme. Oui, c'est même ça leur but. Oui, c'est pourquoi ils sont là. Regardez encore. Oh, mes frères et sœurs. Une femme au milieu des serpents. Elle n'est pas au milieu des serpents. Elle-même, elle est un serpent. Et ce sont ses cheveux qui sont des serpents. Les mèches. Vous ramassez n'importe quel cheveu, vous mettez sur votre tête. Vous ramassez toutes les choses, vous mettez sur votre tête. Regardez. Vous voulez être belle, mais vous cherchez plutôt à être vilaine. Est-ce que ça, c'est beau? Il dirait, mais c'est ressembler à un monstre. Vous cherchez à ressembler à un monstre. Mes frères et sœurs, regardez encore. Oh mon Dieu, sommes-nous dans ce monde? Sommes-nous dans un monde? Sommes-nous dans un monde? Vous devez savoir ces choses. Regardez. Et le diable crée des guerres. Dans les films de science-fiction, on prépare déjà les humains à la catastrophe, aux guerres, à la fin du monde, à ce qui va arriver à la fin. Et c'est ça. À la fin du monde, il y aura tout ce que vous voyez sur l'écran ici. La destruction de la terre et toutes les belles maisons que les gens recherchaient. Au lieu de rechercher Dieu en premier lieu. Toutes les belles, les richesses, l'argent que les gens recherchaient là, au lieu de rechercher Dieu là, ils vont tous abandonner les maisons pour fuir parce qu'il y aura ça. Ça sera atroce. Qui va accepter de vivre dans cette condition? Regardez, dans un endroit où il y a la guerre, et il y a même des voitures, les voitures de luxe, sont devenues des fourrières, comment on le dit, des tas de ferrailles. Et c'est ce qui arrivera à la fin. Dieu a vu ça d'avance et il nous a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Regardez. Regardez ça. C'est tout sauf une bonne nouvelle. Ça, c'est la fin. C'est ce qui va arriver à la fin. Et là, ça sera chaud. C'est pas tout. Regardez. Elle est belle. Elle a un pouvoir. Elle a un pouvoir surnaturel et c'est en forme d'éclair.
Ces éclairs représentent ici qui? Satan, Lucifer, le diable. Waouh! Est-ce qu'elle le sait? Demandez-lui. Si elle le sait, qu'elle nous le dise. Mais la plupart du temps, les humains ne savent pas que ce qu'ils sont en train de faire est mauvais. Regardez. Regardez encore. Regardez ses cheveux. À qui veut-elle ressembler? Ses cheveux. Vous devez savoir que la coupe de cheveux également ne sont pas hasard. On ne fait pas de cheveux au hasard. Des coupes de cheveux correspondent également à des choses du monde des ténèbres. Il y a certains démons qui imposent que les gens se coiffent de la sorte. Oui. Et vous devez refuser ces choses. Vous ne devez pas teindre vos cheveux non plus. Regardez ça. Quelqu'un m'a dit que c'est la vraie puissance. Le diable veut nous faire croire que avec lui, nous sommes puissants. Avec lui, nous sommes plus forts. Est-ce que c'est vrai? En quoi elle est plus forte? À quoi va lui servir son pouvoir? Si ce n'est qu'à détruire ses semblables, à tuer d'autres humains, à faire du mal aux humains, c'est mauvais. Et la fin de toutes ces choses, c'est ça là. C'est ça. Pour éviter ça, il faut abandonner toutes ces choses. Il faut chercher à ressembler à Dieu. Sinon, tous ceux qui chercheront à ressembler au diable, tous ceux qui chercheront à ressembler à Satan ou encore à ses démons, ils seront sur ce chemin-là qui va les conduire directement, progressivement. Là, regardez comme ils sont en train de marcher. Ils ne se doutent même pas que le chemin qu'ils ont sorti d'apprêter ou encore qu'ils ont prêté les mènera ici, en bas. Regardez, ils sont en train de tomber. Où ils sont en train de tomber, ils sont dans les airs, ils disent « Ah! Où suis-je? Si je savais que vous atterrissez dans le feu, vous dites si je savais. Est-ce que vous n'avez pas le tatouage de ce démon-là ici? Est-ce que vous n'avez pas le tatouage de ce démon-là déjà ici? Si vous cherchez bien sur vous, c'est un démon de l'enfer et le comportement des humains qui cherchent à ressembler au diable le conduira malheureusement à l'enfer. Mes frères et sœurs, évitez toutes ces choses, évitez tout cela. Dieu veut vous aider aujourd'hui, Dieu veut vous aider. Et mes frères et sœurs, si vous venez revenir à Dieu, faites cette prière, dites avec moi, fermez les yeux, mettez-vous à genoux, levez les mains vers le ciel et dites « Oh mon Dieu, pardonne-moi d'avoir choisi un chemin autre que ton chemin. Aujourd'hui, je vais te suivre. Aujourd'hui, je vais marcher avec toi. Aujourd'hui, je vais être ton chemin, révéler ton chemin. S'il te plaît, pardonne-moi mes péchés, pardonne-moi mes iniquités, pardonne-moi tout ce que j'ai fait qui ne te glorifie pas et purifie-moi, Seigneur. Que ton sang, Jésus, me lave aujourd'hui et me transforme. Je veux naître de nouveau ce matin. Transforme ma vie, change ma vie et fais de moi une nouvelle créature. Amen. Dès que vous avez fini cette prière, débarrassez-vous de tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans votre vie. Tout ce que nous avons montré, débarrassez-vous de tout ça. Sortez de votre maison, toutes ces choses qui rappellent le diable encore, qui vous rapproche de l'enfer. Et lisez la parole de Dieu afin de vous rapprocher de Dieu lui-même. Apprenez à vous comporter comme Dieu lui-même, apprenez à marcher comme lui, et Dieu enverra qui ses anges vous protéger, vous garder, vous délivrer. La magie, c'est une mauvaise chose. Les démons ne sont pas faits pour nous aider. Ils sont plutôt les ennemis de tous les humains, même des satanistes. Nous devons éviter de chez éviter toutes ces choses horribles qui créent même la peur, qui sont des choses vraiment bizarres. Aujourd'hui, nous avons besoin que Dieu enlève la bâtisse sur nous, parce que c'est une marque du diable, c'est la marque du diable, et c'est une marque qui mène à l'enfer. Mes frères et sœurs, j'espère que vous avez compris le message de ce jour, et Ignace Rubon vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour nous soutenir, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, abonnez-vous massivement, partagez cette vidéo. Nous voulons atteindre le plus rapidement possible les 100 000 abonnés. Mes frères et sœurs, des vidéos extraordinaires vont venir. Il y a un autre test, c'est le test 3,
Restez connectés sur notre board jusqu'à la fin et vous verrez des choses qui vont vraiment vous étonner. Mes frères et sœurs, prenez soin de vous et regardez l'une des vidéos qui s'affichera à la fin de cette vidéo. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Prenez soin de vous. Notre board. Waouh!